dans jou kapral vin la yo, est-ce que ça parent yo te investi dans timoun yo, lè yo vin besoin, lè yo commencé entrer dans l'âge, est-ce que yo pa ka balil en retour, est-ce que la loi, qui ça la loi dit est sous ça? Donc nous-mêmes kap bay de conseils a yo, nous pa ta doué nous-mêmes tout, nous pa prêcher bon exemple. Donc il était très très important, mais malheureusement gen moun noue qui assimile avec l'autre petit détail. Donc c'est comme ça, c'est la république. République là est comme ça lié. Donc moun yo toujours servi avec quelques faits et puis pour maquiller yo même, maquiller le sens pa yo. Mais n'ap di yo que ça yo vle assimile là, nous pas moun pour ça du tout. Si c'est moun qui t'a suivre trajectoire nous, passer nous, ou après que nous pas on lâche, nous pas on Haïti yo aller dans même sens là. FBH dit li même tout, t'es écrit la cour cassation formellement pour demander le fond crampé sous prestation serment personnalité qui fait partie conseil électoral provisoire d'après fédération. Arrêtez ça qui publié dans journal officiel payant le moniteur dans date 18 septembre 2020. Pas rien pour ak ça qui dit dans constitution en article 284 et suivant. En écouter quoi est la déclaration secrétaire général Fédération Baron Maître Robinson Pierre-Louis qui te répond question Galine Maurice. La fédération de Baron demande la Cour de cassation qui est un organe qui garantit l'état des droits, tout parce que c'est lui-même qui pour tout ça qui est illégal pour le corriger, tout ça qui est inconstitutionnel pour le corriger. On doit arrêter à se arrêter totalement, intégralement inconstitutionnel. Donc nous jouons nous et puis nous demandons une Cour de cassation pour le suspendre en question ça. Donc soit nous protéger l'état des droits, on a des droits. Moi, quand la guerre comme ça, nous avons une responsabilité, il faut qu'on défende la société, il faut qu'on défende la patrie, et faut que nous gérer ça, parce que nous défendons deux responsabilités, fédération de barreaux. Donc, c'est pour une raison que nous faisons notre association, parce que pour dénoncer inconstitutionnalité, ça. Si la Cour de cassation, malgré notre nom, il a organisé la prestation pour constitution, c'est devant la Cour de cassation. Donc, si on va prêter serment côté voile, à mon époux, il y a tout fait deux cérémonies de prestation de serment et d'installation. Même pas possible, comment immédiatement pas gagner ça, c'est vraiment pas gagner installation non plus. C'est ça, doyer légalement et formellement. On dit que nomination mal faite ou bien inconstitutionnel. Le mandat même du conseil est inconstitutionnel. Comment on va demander un conseil pour le poser devant quoi référendaire alors que la constitution elle-même dit l'interdit. Donc on va le faire. Donc ça aussi, on a quelque chose de technicien. Tout à l'heure, il faut que le technicien a parlé, qu'on ait savé, il a parlé. Bon, c'est parlé pour parler. Pour pouvoir marcher, pour créer une richesse dans le pays, pour permettre que chaque haïtien vive mieux. Parce que le premier devoir du gouvernement, c'est d'assurer le bien-être de son peuple. Et donc, si ça va qu'à faire, ça dit, non, le pays ça va gagner espoir encore. Si, attention, l'ami a offert à pas marcher, il n'est pas constitutionnel, c'est normal que ce soir, celui parce qu'il est garant. Et automatiquement, la société nous dit d'accord, c'est ça qui fait ça. Mais s'il dit pas d'accord, c'est que le gouvernement aura corriger son cahier. C'est ça que je voulais faire dans les normes, suivant les normes, grâce à la Constitution.
Nous avons entendu lancer position, Maître Robinson Pierre-Louis, qui a parlé dans la Fédération Baro d'Haïti, et sous question ça. Quoi, elle est là, nous allons prendre position, Madame Marie-Hélène Gilles, dans FJKL, Fondation J'éclairé. Arrêté présidentiel qui nomme 9 nouveaux membres conseil électoral provisoire, violé article 283 à 284.3. Constitution, hein, d'après Fondation J'éclairé. Une décision comme ça montre clair ou clairose volonté exécutif l'an gagné pour aggraver crise pays à davantage qui déjà a connu depuis quelque temps une situation vraiment macaron. Et puis provoquer une crise électorale sans pareil. Fondation J'éclairé fait qu'on est procédure pour amender Constitution, hein, qui est déjà tracé d'après Marie-Hélène Gilles, qui fait qu'on est Constitution, hein, c'est un texte qui sacré dans ce sens, militant doit demander exécutif pour faire retrait sans perdre de temps. Marie-Hélène Gilles t'a parlé dans le nom FJKL. Arrêtez ça dans l'article 2. Il est monté un KEP et KEP a gagné pour organiser un référendum constitutionnel et puis pour doter PIA de une constitution tout neuf en violation à l'article 284-3 de Maman Loi PIA qui dit la cité pour tout le monde. Toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. Arrêtez ça qui nommé conseil électoral ça et puis qui fixé mandat. Et conseil ça, il violait tout article 282 et suivant la constitution qui traitait de l'amendement. Et arrêter ça à tout, il fait suite à une déclaration que le président pays a Jovenel Moïse t'a fait. L'ELTE dit pas dans quelle élection tu vas retirer le pouvoir dans le même. Et FJKL, le fait que vous mettez en place le conseil électoral pour une cooptation comme ça, ça montre une volonté exécutive pour la grave crise politique actuelle là, pour la blague de notre crise électorale. Et puis quand elle veut rappeler pour tout le monde, pour l'histoire, changement dans la Constitution, là où fait comme ça, en violation à la Constitution en vigueur, sans consensus politique, il y a toujours bâillé naissance à des dictatures féroces, sanguinaires, même Jean Satéye, sous Dr. François Duvalier, l'LDB, instauré la présidence à vie. Nous rappelons pour tout le monde, tout. Procédure pour amendement des constitutions déjà tracées. Tout excellent, ça peut être là, c'est la guépe, il y en a en fatu bombé. Constitution, son texte qui est solennel, qui est sacré, qui est intouchable. Et pour les décideurs politiques, et nous croyons tout nous comme ça, et nous rappelons ça. Et puis, quand elle demande l'exécutif là, pour faire retrait purement et simplement de arrêter ça qui suscite aggraver plus de ce politique là, puis pour la guette, il y a un désarroi net à l'ouvrir. Ça, c'est position Fondation J'éclairé par rapport à la mission que vous avez conseil électoral là. Vous demandez un conseil électoral pour la fond un référendum constitutionnel. Alors, ceci est violé, on a violé la constitution en vigueur. Dans l'article 284.3 qui dit que consultation populaire est formellement interdit. Donc, l'exécutif a capable chita sous tichesse balle pour encourager des violations des textes de loi et des textes qui s'inscrivent dans le moment de loi pays. L'exécutif a lui-même il y a tout le monde pour rentrer, arrêter ça, que limiter qui parle de pays à non désarroi. Marie-Hélène Gilles, collectif ancien parlementaire en opposition, yo même tout, yo réagi côté yo t'ai déjà adressé une correspondance by juge cour cassation yo. La correspondance ça, yo t'ai demandé juge pour pas recevoir prestation servant mon président République l'a choisi pour faire partie conseil électoral provisoire, membre collectif là ancien député Abel Descollines exhorté juge yo pour yo éviter rentrer dans salle relais complot contre nation. Ancien député Abel Descollines Namiko Wenchaladie. Kadoa collectif ancien député opposition avec Aliyeo, nous c'est le monde qui croit dans la légalité, qui croit dans la constitution. C'est dans ce sens ça, après que le président de la République là pour la énième fois l'évertuel dans une énième provocation contre pays, contre peuple haïtien, lorsque les prend ont arrêté et que l'ont nommé de façon irrégulière, de façon anticonstitutionnelle, 9 membres en conseil
conseil électoral et rajouter à cela l'y attribuer avec conseil électoral ça des missions, entre autres organiser un référendum qui violait l'article 283-4 de constitution qui dit tout référendum pour modifier constitution est formellement interdit. Donc nous autres, respectueux de la constitution et des lois de la République, nous adressons une lettre du CIE by Cour de cassation. Lettre ça nous adressé by les honorables juges de la Cour de cassation, c'est parce que nous connaissons la Cour de cassation, elle fait partie du pouvoir judiciaire et elle représente, incarne pouvoir judiciaire. Étant donné que la constitution elle fait de trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, donc nous mandé honorable juge de la Cour de cassation yo pour yo faire ce que de droit pour empêcher que membre sa yo yo prêter ses. Maintenant, président Jovenel, il semblerait que l'État a décidé encore une fois violer constitution lorsque l'y prend sous lui-même pour que l'y fait moun sa yo prend investiture dans palais national. Donc c'est encore la preuve que constitution de façon manu militaire pouvoir président Jovenel l'a mettait constitution en veilleuse. Comme il est écrit, la défaite du droit est une provisoire. Donc nous autres, nous étions accrochés avec l'ETSA, avec demande ça, nous fait auprès des honorables juges de la Cour de cassation pour que ni jeudi, ni demain, ni après-demain, si d'aventure Moun Sayo qui nommé dans le conseil électoral là, yota déféré yo auprès de la Cour de cassation en de en quelconque prestation de ses mains pour que honorable Jujo yo prend les dispositions que de droit pour ne pas cautionner violation constitution. Caraïbe FM, li fait exactement 6h25 minutes. Tout à l'heure, on pral parler avec sénateur Jean-Wenel Senatus qui déjà souligne là que nous, mais on pral parler avec ancien député Joseph Joël lui sous question conseil électoral provisoire, prestation de serment qui pas faite, mais pourtant gagné installation qui faite dans le palais national. Joseph Joël lui, bonjour. Bonjour, Guerrier, m'en salue Bob, m'en salue Pierre Nervini, m'en salue tout auditeur du Christ qui arrive à faire. Mon point de vue sur ça qui passe là. Oui, mais bon, mon point de vue sur ça qui passe là, mon point de vue en fait, les affaires en trois, si tu prends. Premier point, c'est que le contexte global politique là n'est pas apprêté pour faire un conseil électoral sans parler un accord politique côté tout le monde d'accord parce que l'intérieur violait déjà tout principe constitutionnel et tout principe accord international guinéen en matière d'élection qui dit clairement une élection de fait libre, honnête, démocratique et pour le libre, pour que la sécurité, pour que la paix, pour que les conditions pour nous exprimer normalement parce que faut que la liberté d'expression garantie et qu'on a un contexte côté de l'IA. Quand c'est arrivé, il y a un problème. Le contexte global n'a pas prêté pour gagner un conseil électoral qui montait pour faire élection libre, démocratique, honnête. Vu Jean-Pierre Yaya et le Macabre de l'autre. Deuxième point qui gagne, c'est ce côté, conseil électoral là, le monté et mission lui, la date de mission, la date qui est anticonstitutionnelle, qui est inconstitutionnelle, c'est référendum parce que même article qui montait pour conseil électoral là, mais lui-même lui dit clairement, et confusion a dit clairement que toute tentative avant un référendaire, toute consultation référendaire qui pour changer la constitution est interdite. Même elle n'a pas interdit le référendum, ça a dit qu'un référendum sur l'autre question, dans une consultation sur l'autre question, mais ce qu'on change la constitution, pas qu'à gagner un référendum. Rappelez-nous un article là. Rappelez-nous un article là. Oui, rappelez-nous un article là. Et troisième point. Allô? Allô? Majo à lui. Non, bonne référence là, la plus bonne. Pas besoin de y aller. On teste des références. Oui, article qui est dans la Constitution. On va chercher le tout, même, de façon, j'ai le droit. Bon, troisième point, c'est que je dis là, la loi, constitution en article 94, dit clairement que le conseil électoral est permanent, lui de prêter serment devant la Cour de cassation. Et plus forcément, c'est une exigence pour rentrer en fonction. C'est lui pour faire, pour capable de rentrer en fonction normalement. Eh bien, immédiatement, que mon conseil électoral, avec le président choisi, installé conseil-là,
pour ne pas rentrer sans les papiers du serment, ils ont exposé à un code pénal là qui condamne l'usurpation de titre et de fonction. Par exemple, ils ont vu une première des usurpateurs de fonction. Ils n'ont pas eu de métier parce qu'ils ont nommé, mais fonctionnaires et usurpateurs, parce qu'ils ont été en fonction, c'est une formalité essentielle pour rentrer en fonction, pas réglée. Là, au problème légal de projet, l'on fait des usurpateurs, des imposteurs, qui, d'accord, eux-mêmes, ils ont fait bagarre la mal à les mettre. Là, société a dû camper contre bagarre ça, et nous-mêmes, qui fait notre plus organisation de travail, et collectif, à descendre par une position claire sur ce que ça sous comment on coupe le monde, qui fait des citoyens, décider sur nos bagailles tête baissée, alors que yo, on est la loi, yo, contre ce qu'on a dit, le président lui-même, qui l'a pour faire respecter la constitution, qui vous l'a pour faire apporter à l'État, lui mettre dans sa tête baissée, tout le monde s'est exposé à la loi pénale qui claire sur question d'exécution de titres et de fonctions. Là, société a dû camper et n'a pas demandé pour institution qui va, ça veut dire ministère de l'Information de la Rochette, qu'on n'a pas demandé de valider qu'une contrat pour eux, le fait que le boulot est essentiel pour valider le pouvoir pour rentrer en fonction d'un pays exposé au code pénal qui condamne l'exécution de titres et de fonctions. Mais Joël, lui, dans l'intervention là, si nous bien comprendre, président, il prend toute initiative ça, yo, sans ne pas consulter un secteur clé dans la vie nationale. Là. Est-ce que c'est Manu Militari, président, agit, ou bien frapper pour le secteur ça, yo, yo pas d'accord, et puis il faut dans le secteur qu'on cite là, yo, depuis avant, il te dit qu'il n'a pas participé dans le pièce conseil électoral provisoire avec le président Jovenel Moïse. Qui j'a pour le ta fait pour le t'arriver convaincu, yo, puisque il était entendu, yo pas participé au même. Bon, c'est quand même pas vrai, on va participer dans les élections. C'est condition par réunion pour qu'il y ait élection libre, honnête, démocratique, quand les gens qui ont exprimé et fait campagne dans le pays. Et ma vraie situation, c'est quand on pas capable, sans contexte, la situation est là. Alors, le président lui-même qui a charge pour bien diriger le pays, il a pour créer un contexte qui est favorable à la réalisation de bonnes élections. Par exemple, quand des gens qui font campagne, quand des cadres électoraux, tous les citoyens capables d'aller dans la première base de l'élection. C'est ça, pour les citoyens, c'est l'élection électorale là. Mais base de données pour 7 millions de voter votés là. Ils ont chapé les côtés là. C'est de manière à essayer de faire des pauvres en condition, même sur 4 pour l'élection. Deuxièmement, le conseil électoral, ils ont des patients, ils ont des neufs, ils ont des professionnels. Est-ce qu'il y a des garanties que mon cadre électoral, c'est des gens qui neufs, c'est des gens qui sont professionnels et c'est des gens qui sont patients. En plus, pour créer crédibilité, votre société a d'accord à mon salaire que si on passe l'élection, elle ne peut pas être crédible, le fait que c'est un sortir dit clairement que mon salaire n'est pas représenté. Ça veut dire que le contexte là, globalement, n'est pas prêté à un bagage comme ça pour le président passer non militaire à notre support international dans l'élection. Deuxièmement, la garde nationale là, non, OEA. On a même clairement, la Chambre royale dit clairement, élection de fait, libre, honnête, démocratique, et de fait de manière périodique. Le regard qui sont périodiques, ce n'est pas fini de pas faire élection. Maïs a fini de pas faire élection, et le gouvernement, c'est l'un de ses amis. Quand on a payé, ça a été livré au prochain même OEA, parce qu'elle quitte tout le bagage ça en fait, et bien l'élection en fait de manière périodique. Mettez-le. Nous avons un pile étudiants qui attendent nous là, étudiants en droit, finissant. Nous avons aimé que nous saisissions un bagage. Nous avons aimé la population en tout bien saisie. Sans état d'âme, sans émotion. Vous faites référence avec l'article 194.2 Constitution 29 mars 87 amendé. Là, nous jetons un coup d'œil sous lit. Lui faire provision pour conseil électoral permanent. Et je dis à nous en face d'un conseil électoral provisoire. Oui, ma vous dis clairement, le conseil électoral provisoire est pour voir seulement pour première élection qui a fait dans le pays après 97. L'élection viendra de Gatéa. Tout le monde clair. Mais le fait que je ne vais jamais remettre le conseil électoral de maintenant, il y a tout sous base consensus retourné à première. Disposition transitoire. Pour être clair, ça veut dire que nous avons bien fait. C'est bon bagage normal qui a fait là. Mais le fait qu'on dit consensus solide, il y a fort sous base consensus parce qu'il y a une crise et que personne n'a pas de solution. Et bien,
compromis que l'accord du jeune homme n'a pas parti. Et laisse à tout le monde d'accord sur ça. Parce que ça, c'est une formule de génétrice. Ok? Bon, vous avez pas de compromis. Le président a dit provisoire, les gars, pour vous faire une histoire avec maintenant. Et bien, il n'y a pas de compromis avec le secteur. Et bien, il décide de foncer. Qui ça veut dire? Il déclare le secteur la guerre. Non, mais quand même, d'abord, nous, je dis, hein, puisque pas de prévisions légales, nous, en face, ça ne va pas brûler un vide constitutionnel. Est-ce que référence, nous, c'est la jurisprudence, et éclairci pour nous. Ça que fait dans le palais national, attendez-nous. Ça que fait hier soir dans le palais national, là, est-ce que nous, capables yon installation des membres du conseil électoral provisoire ou bien en présentation des membres du conseil électoral provisoire? Ok. Bon, la question, c'est pas jurisprudence, c'est peut-être le précédent. Parce que jurisprudence, c'est une décision qui prend par le tribunal de dernier degré. Là, donc, a dit son précédent. Mais il y a un précédent, parce que ça. Un précédent qui est, c'est que en 91, sur l'État, parce que tout le secteur de l'ensemble, il fait au conseil électoral qui était bas résultat. C'est l'élection 91. 95 ans, quoi, le secteur de le monde, il y a des bas résultats. En 2004, avec la résolution sur la torture, tout le secteur est d'accord, c'est qu'on élection, c'est des bas résultats. Mais ils ont prévalu de faire des bagarres avec des secteurs qui dévoient le monde, qui dévoient le résultat. Okay. Ça veut dire que bon précédent en matière de ça. Mais, qui ça vous fait? Bon précédent veut dire que ça. Je ne peux pas vous mettre en accord, je nomme mes conseils. Après ça, c'est bon précédent, je peux encore nommer mes conseils là. Après ça, conseil là, l'a nommé, il a prêté seulement pas devant la cour, et là, ça, il aura pris en fonction. Là, bien là, c'est que, ils n'ont pas de compromis dans la société là. Pour vous déposer, parce que les défis constitutionnels, ça sont encore politiques qui vous gagnent, et tout pour nous ça. Deuxièmement, pour nous, ils ont sauté vers où ça, qui c'est, pour qui ça a demandé de bloquer récemment, le volant de fonction pour le récemment, c'est parce que si on n'a pas pris récemment, ils ont fait ça, vous voulez. Alors, récemment, ils ont fait un crime de l'air par jour. C'est parce que si on dit qu'on respecte la constitution, si on dit qu'on peut respecter la loi pays, ou pas faire les choses honnêtes, libres, démocratiques, là, on pas fait lui, on n'a pas menti sur sa mort de prétéa, pour commettre un crime qui n'est pas juste, et bien ça, ou exposons à la loi pénale. Eh bien, là que ça y est aujourd'hui, là, c'est ça le conseil électoral qui a fait ça et ouvré, j'en ouvre l'air ouvré, parce que pas passible de pas juste. Là, c'est un problème technique, hein, donc pas qu'à tolérer ça, pas président prôné, qui est mon n'avait rien. Et guerrier, j'ai ton petit coup d'œil pour nous, guerrier. Ok. Non, merci un peu, député Joël. On va parler avec toi. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Et on jette un petit coup d'œil, guerrier, parce que auditoire là, il faut qu'il saisit un bagage quand même. Et nous prenons dans l'article ça, 289 et puis 289.2. C'est qui 289 là? 289 là, c'est les qui dit que en attendant établissement en attendant un conseil électoral permanent créé suivant constitution, conseil national gouvernement l'a formé un conseil électoral provisoire 9 membres qui a chargé pour exécuter et puis élaborer loi électorale là, qui doit régir prochaine élection yo et désigner et doit désigner de façon suivante donc de faire monter le conseil yon c'est exécutif là qui a pas voyé le mais faut qu'il pas un fonctionnaire et yon par conférence épiscopale yon l'autre membre par conseil consultatif là yon par cours de cassation yon cinquième membre par organisation défense droit moun yo mais qui pas participer dans compétition électorale yo yon par conseil université hein. Et yon l'autre par association journalistio, yon l'autre par les cultes réformés, et puis neuvième nan par conseil national des coopératives. Moun ki gen wosh nan men nou yo poko vwe wosh. Mete tête fouet poko vwe wosh. Parce que c'est avec fait, argument, nous même nous fonctionner. Tout fait avancer doit être prouvé. Article 289.2 En cas d'abstention de corps ou organisation suvisée, virgule, l'exécutif comble là où les vacances.
Là, on a parlé de composition. 82, article 289.2 de la Constitution, 29 mars 87, amendé. Ok. Et là. Médecinat Toussani? Médecinat Toussani? Et puis pour être capable de faire. En élaborer. Oui, Chamel. Médecinat Toussani, bonjour. Bonjour, sénateur. Bonjour, bonjour, guerrier. Bonjour, Bob C. Bonjour, PRA Runel Ruiné. Bonjour, auditeurs, auditrices de Radio Caraïbes. Donc, salutations spéciales. Pour tout le monde qui est dans l'Ouest, particulièrement, le monde qui est dans Bel Air, le monde qui est dans Maya, dans Delma, capteur des émissions. C'est un plaisir de disponible pour nous. Et avant de venir sur ces questions, ça va permettre qu'on fasse peut-être même genre avec M. Joseph Joël, lui qui lui-même a élaboré sur ce contexte global là, qui sont lui-même pas prêté à l'organisation prochaine élection. Et c'est même constat qu'on fait également. Bon, pour même constat, pas maintenant, aller beaucoup plus, de manière beaucoup plus profonde, dans le sens que moi, président Jovenel, je veux être égal à lui-même, dans velléité, pour le pays vers une dictature, pensant que les pas en 2020, lorsque président Jovenel s'apprase le Parlement, malgré le Parlement, pas le Parlement qui va être résultat, parce que dans ces grands paquets de monde qui était nommé, qui était élu là-dedans, qui n'a pas de compte responsabilité, il y a un peu de monde qui était fermé bouche, parce que tu estimais que le Parlement n'est pas utile, mais le théâtre n'a pas l'an, président Jovenel, et rapidement, ou à point, à exécuter, devine un code pénal, débauche code pénal, voxal pour finir avec le pays, rapidement, ou à point, le vini. À question constitution qu'il peut changer pour qu'on mette à vie au pouvoir, rapidement, ou après le venir à question élection qu'il peut organiser pour le renouveler tête-li, parce qu'il pensait qu'il devait faire deux mandats, mais l'État lié là, l'État de faiblesse qu'il y a là, pour qu'il fait deux mandats successifs. Donc, il n'en parle jusqu'à présent, lorsque hier, les présenter par les populations, même pas d'installation, les présenter dans le palais national, neuf citoyens et citoyennes que pasteur Jacques N. Janvier, dans la Fédération protestante du Grand Nord, qualifié de mort, il a fait cérémonie finie derrière, il a fait funérailles dans le palais national. Moi-même, je constate, lorsqu'il dit à la police, pour une baie sécurité à tout ça yo qu'il t'a chanté puis les rayo hier aussi simple que ça et au monde qui accepte dit pour pral fourer main dans caisse l'état pour organiser élection ou du même conseil électoral ou lit article 194 et suivant constitution qui dit ou doit prêter serment même lorsqu'on pacte pour toi on lit. Mais on est, tout le monde qui était passé dans le CEP avant, il est passé devant la Cour supérieure, la Cour de cassation. Il a prêté serment. On compte ça. Bon, Cour de cassation hier, pour me féliciter, tout juge, et il me tweeté, me dit, juge, attention, il n'y a pas de faire cadeau. Moi-même, je suis venu pour me travailler comme sénateur, je travaille sur le dossier, juge Cour de cassation. Yo. Moi, qu'on est juge pour des cassations qui l'a yo, c'est des juges qui à leur place. C'est des juges qui ont fait grâce cadeau. Et moi-même, c'est la du Jovenel.